est-ce que vous trouvez ça beau, un gars avec une couette? Montre ta couette. Moi, je trouve ça vraiment laid, mais lui, il assume la couette, mais moi, je trouve ça vraiment laid pour vrai. Moi, je trouve que ça fait rock. Mais t'es pas rock. Mais pourquoi je suis pas rock? T'es-tu rock? Ben, mon père est rock, je peux être rock. Ok, vu que ton père est rock, t'as le droit, je pense. Ben oui. Bonjour! Bonjour! Attends, j'ai une graine dans l'œil, je vais changer ma... Attends. Ouais, on sait, Desti. Hey! J'essaie de m'enlever une graine dans le cul. Dans le cul. Bonjour! Salut! Regardez avec qui je suis, c'est mon amoureux Cédric. Est-ce que vous avez vu la vidéo de Céd qui va m'acheter des vêtements dans une friperie? Ils répondront pas parce qu'ils sont pas là. Oui! Mais, oui! L'affaire, c'est gêné. Elle m'a donné 100$ pour que j'aille acheter des vêtements dans une friperie, c'est-à-dire le village des valeurs. Ouais. Et ce fut une expérience assez traumatisante, désagréable, méprisante et que je ne referai pas. Ok. Lui, il le refera pas, mais moi, j'ai décidé que j'allais la faire parce que vous avez été vraiment nombreux à me dire « Mais Lucas, ça serait vraiment cool que toi, t'aies acheté des vêtements à ton chum. » Puis, ça me tentait pas. Mais là, ça m'a tenté par être utile. Fait que je suis allée faire ça. Je voulais vraiment relever le défi de trouver des trucs dans une friperie, mais pas cher. Puis justement, avoir beaucoup de vêtements, mais pour peu. Fait que je suis allée dans les friperies comme Village des Valeurs, Armée du Salut, puis la friperie. Combien de morceaux t'as trouvé? Je suis quand même fière de moi. Je sais pas exactement combien j'en ai trouvé, mais je pense que j'en ai une bonne dizaine, quinzaine. Oui, on trouvait quand même. Oui, je t'ai changé. Fait que le premier gilet que je t'ai acheté, c'est un gilet que je te voyais porter à Noël. C'est genre chic, mais pas too much. Et il m'a coûté 14,99. C'est quand même cher. Ok, t'es prêt? Ouais. Ok. C'est un beau Bourgogne, ça va fitter avec tes cheveux foncés. Tes beaux yeux verts. Hey, pour vrai, c'est exactement le même polo que je porte en secondaire 1. Je te jure que ça revient à mode. Mais sur 10, tu dirais quoi? Tu trouves-tu laid ou tu trouves-tu beau? Ben, sur 10, honnête à 100%. Sur 10, il y aurait besoin de... D'enlever le poil un peu. Ouais. Ben, honnête, 2 sur 10? Ben, il est très laid ton gilet, là. Tu m'achètes un crise de gilet mauve, c'ti. C'est Bourgogne. C'est avec ton gilet de Noël, toutes les petites matantes vont dire « Oh, ce truc est bien beau sonner! » Ok, deuxième gilet. Ok, fait que ça, c'est un gilet qui m'a coûté 6,49. C'est un gilet court, mais j'aimais vraiment les couleurs. C'est un gilet court. Déjà, ça prend quasiment mal. Non, mais c'est un gilet court. Non, mais court dans le sens où. Non, mais c'est un gilet à la manche courte. Ok. J'aimais fou le logo, mais c'est un basic. Mais genre, regarde. Ouais, mais ça casse. Il est pas laid, mais le gars, il fait du surf. Je fais pas de surf. On genre s'en là. Mais non, genre là, d'un nasty wannabe. C'est comme de si tu portes un gilet d'Aaron. C'est comme si tu portes un gilet d'Aaron Maiden, tu connais pas une crise de toune. J'ai des gilets de groupe que je connais pas partout. Ouais, un gilet d'Harley Davidson, tu fais pas de moto. J'ai plein de gilets d'Harley Davidson, je fais pas de moto. Ouais, mais toi, t'es toi. Check, les couleurs sont full nice. Ah, non, mais pour vrai, je suis d'accord. Mais j'ai jamais fait de surf. Ça paraît même pas qu'il fait de surf. T'as-tu remarqué qu'il t'a marqué sports? Ouais. Ouais, mais okay. Tu fais full de sport, moi je me suis dit que ça fitait. Tu fais full de sport. Je dirais, genre, je pense un 7,8 sur 10. Ah, c'est bon. Mais je le porterai pas. Ok, montre un autre gilet court, ferme tes yeux. Celui-là, je suis sûre à 100% que tu vas l'aimer. L'histoire, c'est que je suis pas sûre qu'il va te... Hey! Oh! Hey, tu vas pas me voir ça là. Ce gilet-là, je suis sûre que tu vas l'aimer. C'est vraiment le seul gilet. C'est le seul gilet de tout ce que j'ai acheté que je l'ai vu puis j'étais comme, oh mon dieu, ça crie Cédric, genre. C'est toi. Mais je sais pas si ça va être trop petit. Ah. Mais je sais que tu vas l'aimer. Ok. Regarde le dos. Il est nice, hein? Hey, ça crie Cédric. J'avais payé 2,49. Ben oui, mais Chris. Voyons donc. Ben oui, c'est toi. C'est tellement toi. J'ai jamais vu un gilet qui est toi de même. Non, non, je comprends, mais tu sais, moi, des gilets qui est marqué n'importe quoi sur le dessus, genre Arbor Zygote Twin. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je comprends ça pas. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ben, toi, t'as-tu vu ton gilet qui est marqué Watt dire. Avec un assez gros trou? Ah oui, mais Watt, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux, man? Non, c'est fucking laid comme shirt, là. 1 sur 10. Voyons donc! Je comprends pas comment tu t'es dit, genre, hey, ça, là, ça respire, ça vrai là. Genre, un dessin crissement lettre pis il est marqué Zygoto Twin en avant, là. Ah, moi, je pensais full à avoir plein de nouveaux linges pour ma garde-robe. Ben là, au moins celle-là... Au moins avoir 8 t-shirts. Ouais, fait que c'est un gilet que je trouvais vraiment beau. Je trouvais qu'il avait une belle qualité. Il a coûté 8$. Regarde. Qu'est-ce qui est marqué? Core Man Wear. Ah, OK. Mais regarde comment il est beau. Oh oui, mais ça, c'est, tu vois, c'est la même affaire. Qu'est-ce que la même tu affaire? Tu m'achètes des vêtements que toi, t'aimerais me voir dedans. Ben oui, c'est le but de la vidéo. Oui, dans le fond, c'était ça le but de la vidéo.
Mais ça, t'es vraiment l'air d'un petit monsieur. Tu vois, tu veux que j'aille l'air d'un petit monsieur? Oui, mais Chris, t'es rendu à 28 ans. T'as plus un poil sur la tête. T'es rendu un petit monsieur. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais disons que c'est peut-être un prospect, ça, là. Yay! Peut-être un prospect. Pour l'instant, je vais dire 6 sur 10. On va voir sur mon dos, ça a l'air de quoi. Ok, j'en ai un autre chance de dire. Je trouve ça juste bizarre que ce soit marqué vêtements pour hommes. Bon, moi, c'est clair, c'est pas un vêtement pour femme. Ouais. Je peux pas te l'emprunter. C'est sûr. On regarde pas. Ferme tes yeux, Maudit. Ah ouais. C'est genre... Hey, regarde pas, Maudit, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas regardé. Fait que ça, c'est un gilet... Ça, c'est un gilet que... Tu vas aimer porter au gym l'été. Regarde, comme une camisole, genre, vraiment la couleur. Oui! Mais tu sais, c'est vraiment un basic, mais genre full grand. Un gilet bien noir. Non, il est pas noir. Il est même pas noir. Ben, Chris, il est couleur, tu penses? Mais il est gris. Ben non, il est juste fucking noir, délavé, qui a été lavé. Ah non, t'as raison, il est gris. Pas du tout noir. Ah, ça, c'est parfait. Camisole. Full grande. Ouais, full grande, en rien dessus, basic, 10 sur 10. 10 sur 10. Celle-là. C'est pas le plus original, mais... Je sais que c'est un bon baiser que t'as pas parce que t'as fuck all, tu sais. C'est ça. Ok, okay c'est bon. Fait que le prochain gilet, moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Il est full vintage. Regarde. Il coûte... 7,99. Ah ouais, lui il est sick. Regarde, okay. Il y a un petit dauphin vintage. T'as peur, lui. Ouais, lui il est sick. Yeah! Il hey, sick. J'ai pas de brassard depuis mon métier. Il est sick. Ah, je suis tellement déçue que tu l'aimes parce que je voulais faire un crop. Je suis pas au football, mais non. Mes amis jouent au football. Ah, ben là, par exemple, l'affaire du surf de tantôt. Non, mais j'ai déjà joué au football. Ok, ok. J'ai joué dans les mini rougeards. Je savais même pas que c'était du football, vois-tu? Moi, j'ai juste vu le petit dauphin content. Attends, montre le petit dauphin. Regardez le petit dauphin. Le petit dauphin. Oui. Toi, t'as vu le dauphin, tu savais même pas c'était quoi. Non, pas du tout, je trouvais qu'il avait l'air gentil. Ouais, il est parfait, il est beau, hein. Il est large, il est gros. Il est gros. Il est genre fort. Ah, celui-là, il est sick, là. Ah ouais? Celui-là, il est beau. Yeah, je suis contente. Celui-là, il est vraiment beau. J'ai des amis qui vont être jaloux. Ah. Au pire, je leur vendrai. Non. Ben, fait que tu donnes quoi sur tes? 9? Ouais, oh, c'est 9, ça. Yeah! Fait que tu l'aimes? Oh, oui. Wow! J'ai un accessoire. C'est un petit chapeau. C'est un chapeau de men. Regarde! Il est cute, hein? Il est trop laid. Ben non, il est full beau. Regarde ça, je te dis. Hey, ben voyons, t'as une tabarnak de grosse tête. Ben oui, c'est ça. Hey! Fait que tu l'aimes pas? Ben non, calice, ça me rentre pas dans la tête, casse. Je vais la donner à mon père. Mon père va l'aimer. Ah oui, tu donnerais ça pour Noël. Faut pas qu'il regarde la vidéo. Dis qu'il peut pas regarder la vidéo parce que son cadeau de Noël est en vidéo. Prochain truc. Prochain truc. Ferme tes yeux parce que c'est un truc combiné. C'est une combinaison. Moi, je trouve ça vraiment beau, les hommes qui portent des cols roulés. Yeah, fait que là... Si, boy, t'es pas en train de me dire que tu m'as acheté un col roulé, là. Fait que là, j'ai acheté un col roulé comme ça, qui va... avec ce gilet-là. Les gens qui sont slim, toutes fines. Non, les c'est gens vraiment qui sont chaud. Fins. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous trouvez ça beau, les hommes avec des cols roulés. Ok, t'es prêt? Regarde. Ça, c'est le col roulé. Il est orange. Puis ça, c'est le gilet. Ah, celui-là, il est sick, hein? Celui-là, il est sick, hein? Il est marqué. Family Builders, Father School, constructeur de famille. Mais la qualité était vraiment belle. Le polo est fucking nice, il est grand. Mais ça va avec ça en dessous. Hey, t'es folle. Je peux pas mettre ça, stylé. Oui, tu l'essayes. Mais... Je veux que tu l'essayes. Tu peux pas jeter tant que tu l'as pas essayé. Je l'ai essayé les deux ensemble, c'était vraiment beau. Non, ils sont pas. Il n'y a aucune fille dans l'occupation d'eux qui me tease. Mais c'est quoi le rapport, mettons? J'appellerais ça l'étrangleur. Moi, m'appeler ça, tu vas laisser pareil mon bon chum de gars. On dirait juste une manche pour un gros bras. Non, fais-moi confiance. Je te fais confiance, mais clairement, ce polo-là, c'est un 10 sur 10. Ah ouais? Plus que lui avec un dauphin? Il est où? Non, mais c'est un constructeur de famille, je trouve ça cool. Je suis pas encore père. Non, d'ailleurs, t'es pas encore père. Annonce-moi pas que t'es enceinte ici, Je préfère être un wannabe papa qu'un wannabe surfer, par contre. Wannabe surfer, les gens vont faire « Hey man, trouveront pas ça drôle, ouais. Ça, ils vont trouver ça drôle. » Mais ça. En même temps, t'as quand même deux chats. Ferme tes petits canets de petites coquines. Ok, c'est une chemise, mais en coton, genre. Puis tu peux la mettre en veste comme tu peux la mettre en chemise. Regarde. Regarde. Ah, de qualité supérieure. Ça va me faire, par contre.
Ok. Ben, regarde, je vais le mettre de côté, disons que. Mais ça... merde, arrête de te laver avec les vêtements. Ils sont même pas propres, hein. Je sais pas, j'aime ça. Pour l'instant, regarde, là, c'est un gilet neutre, là, 7 sur 10. Mais c'est un passe-partout. C'est un passe-partout. J'ai-tu dit que c'est un passe-partout, je l'ai pas dit. Passe-partout. 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 Hey, regarde pas, t'en regardais-tu? Ok, je pense que tout le monde va aimer ce gilet-là parce que c'est vraiment un basic. Regarde, c'est un Tommy Hilfiger. C'est à la mode. Mais non, celui-là, je l'aime pas. Ah, bon, on va faire un crop top. Ben, c'est ça. On va faire un crop top. Regardez, on l'a eu. Deux, là. Deux sur dix. Il est pas beau. Ben, voyons donc. Ah non, là, tu prends un crop top, là. Voyons donc, je suis saisie. Le prochain gilet, je m'attendais vrai. Je l'avais complètement oublié, sincèrement. Fait que, regarde. Avec une belle qualité de tissu et une petite poche. Ah, mais c'est pas laid, ça, là. Ben oui, c'est pas laid. Il est grand. Un polo a l'air vraiment chaud. Ben oui, mais c'est parce que c'est l'hiver. 7 sur 10. C'est bon. C'est pas mal. Pour un gilet que j'avais moi-même oublié. Oui. C'est bon? C'est très bon. Les deux derniers trucs. Non, mais regarde-moi, écoute-moi. Les deux derniers trucs que t'aimes beaucoup. Les deux derniers trucs que j'ai achetés, c'est des trucs que j'aime beaucoup. Ah ouais? Oui. C'est des trucs que tu pourrais mettre à Noël. Ah! C'est important de s'habiller pour Noël. Mais il n'y a pas une thématique Noël, Chris. Non, mais ça, c'est vraiment des beaux vêtements. De qualité, toutes les choses. Fait que là, le premier truc, c'est une combinaison. Ferme tes yeux, maudit Chris, il y a une raie à souhait, investi. Dans le fond, on commence avec, au pas tes yeux, tant que je ne t'avais pas dit, avec ce col roulé et ça qui va par-dessus le col roulé. Ok, t'es-tu prêt? Je suis prêt. Je suis pas prêt. Ok, regarde. C'est un veston vintage. Ça avec ça, là, pis un jeans, là. Hot que Chris. Un col roulé. Ah, si, tu m'énerves donc bien avec tes crises de col roulé, là. Ça mord, c'est fucking beau. Laid, c'est les beau, cols roulés. Un homme avec un col roulé. Ben, le veston, il est cool, là. Il est fucking beau, là. Hey, il est parfait, là. Non, non, c'est un veston. On aurait voulu l'inventer, ce veston-là, on aurait même pas pu. Les deux ensemble, 10. Yeah! Le dernier truc que j'ai à te montrer. Ça, je me suis gâtée sur un Christie de temps. Je ne peux pas croire que je l'ai acheté, mais j'en avais rien à chier. Quand je l'ai vu, là... OK, c'est ça que tu t'es gâtée. Quand je l'ai vu, ça... Combien tu l'as payé? Attends, quand je l'ai vu, là, sérieusement, j'ai déversé mes effluves à terre. J'ai capoté, j'ai chié dans ma couche. Je l'ai payé 80. Hey! OK, fait que ça, c'est ma dépense de fucking folle. Fait que c'est dans la jeans. OK, tata! Ça répète. C'est un manteau. C'est un genre de veston manteau. Hey, ça là, c'est tellement beau, le collet de même. Mais ouais, vraiment. Hey, pour vrai, les boutons. Regarde, c'est un taille. Taille, ok, go. Hey, il y a même un papier dedans. Regarde, papier dedans. Papier dedans! Ouais, mais pour le suit au complet, ils vendent ça. Ton pantalon, veston, ils vendent ça comme 500$. Fait que disons... 250. 300. Ouais, parce que les pantalons sont moins importantes, là. Tu te donnerais combien pour ça? 10! 10? Oh, ouais, 10. Crème! Yeah! Hourraï, pipip! Hourraï, pipip! Hourraï! T'es-tu déçu de la vidéo? T'es-tu content ou t'es pas déçu? T'es-tu content ou t'es pas déçu? Je te donne beaucoup de choix. Ben finalement, je suis pas déçu, je suis content. Ok, fait que si vous avez aimé la vidéo, vous savez quoi faire? Je sais pas ce que je fais. Mettez un pouce. Mettez un pouce pour l'effort parce que ça fait un mois que je travaille sur cette petite vidéo-là. Je pense que j'ai vraiment fait des belles trouvailles. Je suis pas fière. Puis Seb, il est pas déçu. Puis il est content. Je suis très content et je ne suis pas déçu. On a le col roulé, finalement. T'aimes le col roulé? Ah, je pense que j'aime le col roulé. T'aimes le col roulé? J'osais pas le dire, mais là, à bien y penser, j'aime bien le col roulé. Impossible! Ah, oh, t'es tellement beau, mon amour! Ah, si que je suis chaud! Non, mais chaud sur un temps, là! C'est l'enfer, mon amour. T'as bien fait ça. Ben rien. T'as bien fait ça, mon amour. Oui? Oui.